pour la mécanique, coup de cœur. Coup de cœur sur le lieu dès les premières visites. Et en fait, on est arrivé vite à se projeter sur le côté bistrot, le côté restaurant et un petit peu d'hébergement. Alors on est parti déjà pour parce que notre père nous a filé un coup de pied au cul en nous disant allez voir un peu ce qui se passe ailleurs et pourquoi revenir ici, revenir aux sources pour venir s'épanouir dans la région qui est la nôtre. Colombière, c'est idéalement situé. C'est l'endroit où on a grandi, où on a passé du temps dans les gorges étant plus petit. Et puis ce cadre avec de l'eau, ce côté très bucolique, apaisant, nous a rassurés dans le fait de poser nos valises ici. Le retour aux sources, il est évident. Et c'est pour dire que de recevoir, d'accueillir autour de la bonne chère, ça date vraiment des grands-parents du côté de maman et des arrière-arrière-grands-parents du côté de papa. Donc on avait une descendance où ils étaient à l'époque restaurateurs. L'inspiration, on la trouve déjà dans nos racines, dans la culture aussi gastronomique de nos parents, avec beaucoup de produits du terroir. Et puis l'inspiration aussi de nos voyages. C'est voilà, un beau produit, un accompagnement, une jolie sauce, quelque chose qui parle rapidement à nos clients. Et surtout, voilà, on essaie de travailler le plus possible avec ces petits fournisseurs qui nous entourent. Donc on peut piocher là-dedans et se renouveler sans cesse. La direction que l'on a prise, c'est de ne pas se prendre au sérieux. Ça, c'est bien. Comme son nom l'indique, on ne roule pas des mécaniques. Un petit mot qu'on a envie de dire à nos parents, c'est qu'on les aime beaucoup et que sans eux, on n'en serait pas là. Et merci d'être ce qu'ils sont, quoi, parce que c'est un exemple. Bon exemple. Voilà. Ouais, tous les deux. Claude et Jean-Marc, propriétaires de l'auberge de Combe depuis 1995, avec mon épouse qui est en salle et moi-même en cuisine. On est situé dans le petit village de Combe qui est à 600 mètres d'altitude. Voilà, c'est un établissement, c'est un ancien presbytère qui domine la vallée. Notre cuisine est principalement à base de produits du terroir. Donc ce que je peux dénicher suivant les saisons, les marrons de l'Argue, les brochettes de Carlincas, des petits fromageons de la ferme. Puis on n'est pas très loin de la mer, donc on travaille pas mal de poissons aussi. Et puis bon, à l'époque, des champignons, les cèpes, ce sont des produits que nous travaillons régulièrement. Alors, la devise de l'auberge, c'est la satisfaction du client. Quand le client s'en va satisfait de l'auberge, et on l'est autant que lui. Nous sommes des parents comblés, puisque nos enfants ont choisi de faire le même métier que le nôtre, la mécanique des frères à Colombia. Mais je pense qu'on a attrapé le virus, parce que le métier de cuisinier ou de sommelier, comme celui de Benjamin, c'est un virus. Ce que je pourrais dire à mes enfants, c'est déjà de jamais baisser les bras. Être à l'écoute du client, la satisfaction du client, ça passe par là. Et je leur souhaite tout ce que je peux leur souhaiter, quoi.